Recording is on. Alors, premièrement, on va compléter notre dernière séance. La dernière séance, on a vu comment configurer un PC ou bien connecter un PC avec le réseau sans fil. Avant, on a vu comment créer les VLAN et comment faire de l'Ether Channel avec PAGP ou bien LACP. On a vu autre chose, mais aujourd'hui, on va voir, supposons que ce switch se trouve au Maroc et on veut que les PC de VLAN 1 ou bien VLAN 10, VLAN 10, veut se communiquer avec des ordinateurs qui se trouvent à United States, ou les États-Unis. Sachant que les adresses IP sont suivantes. Alors, 192.168.1.0 ici au Maroc et la connexion ici 10.0. Alors, pour faire passer les informations entre ce réseau qui se trouve ici au Maroc, by routers, alors on doit passer avec une méthode nommée le routage IP. Le routage IP. Avant de débuter le cas pratique, on va d'abord savoir ça veut dire quoi le routage IP. Alors, d'abord, quand vous voyez ici, alors supposons que l'ordinateur host A veut se communiquer. L'ordinateur host A veut se communiquer avec le serveur. Et prend en considération que l'ordinateur A, ou bien A, se trouve dans un réseau différent du réseau de serveurs. Par exemple, ici on a trois routeurs. Alors l'information doit être envoyée d'ici vers ici. Et après, de ce routeur 1 vers routeur 2, et de routeur 2 vers routeur 3, et de routeur 3 vers serveur 1. Cette opération nommée routage de l'information, ou bien routage du paquet, parce qu'on parle de couche 3, routage du paquet entre les réseaux. Alors, chaque segment, ici un réseau, ici un autre réseau, ici un autre réseau, et ici un autre réseau. Pour passer d'un réseau vers un autre réseau, on doit obligatoirement avoir l'équipement router qui fonctionne dans la couche 3. Alors, normalement, pour connecter l'ordinateur host A, il se fait d'avoir acheté par exemple un switch ou bien de connecter directement avec le routeur, acheter un switch, donner l'adresse IP pour ce switch. Pour le PC et donner l'adresse IP pour cette interface de routeur. Et comme ça, les deux doivent être au même réseau. Même opération. Ici, les deux routeurs doivent être connectés. Ça peut être se communiquer avec un seul câble. Ça peut être avec un switch là où il y a d'autres routeurs. OK? Mais le plus important, qu'il y a une connexion avec ce routeur, mais dans le même réseau. Ça veut dire l'adresse IP de routeur 1 doit avoir dans cette interface et l'interface de routeur 2 doit avoir même adresse IP au sein du même réseau. Même opération entre routeur 2 et routeur 3, ce segment doit avoir même réseau et même opération ici et ici. Alors, il y a ce qu'on appelle le default gateway. C'est quoi un default gateway? Default gateway, lorsque un ordinateur ici, il sache pas la route exactement comment elle va arriver au serveur A. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller au host A et je vais lui dire si vous voulez sortir, si vous voulez sortir. Pour aller à n'importe quel réseau, soit ce réseau, soit le réseau 1, soit le réseau 2, soit le réseau
3, tu peux utiliser cette adresse IP, l'adresse IP de ce routeur comme adresse IP par défaut pour aller à n'importe quel réseau. Default route, c'est l'adresse, default route ou bien default gateway, c'est l'adresse de l'interface qui sera configurée dans l'ordinateur comme une route par défaut pour aller à n'importe quel réseau. La brique Michel ayez réseau, même s'il s'agit de l'Internet, Internet Service Provider. Alors, même si il s'agit de l'Internet, alors pour se communiquer entre deux réseaux différents, ou bien pour pouvoir avoir for host et to communicate with server one, we should try to type static command to do that. عندنا اما نديرو روتا ستاتيك ولا روتاج ديناميك باش نساعدو البي سي واحد يتكومونيكا مع السيرفر واحد ويتكومونيكا مع نيمبورت كيل ريزو اون ابل سا كل اورديناتور ا انا نسجلوه مع ديفولت جيت واي. ديفولت جيت واي هو ديفولت روت جيت واي اوف لاست ريسورت نو بيتر روتر ذن يوز ذيس وان. روت كونسيست اوف سبنت اور جيت واي جيت واي نيكست هوب روتر اون شيرد سبنت. شو ديفولت جوت؟ اول حاجه سي لا روت بار ديفو. Ça veut dire, ça peut arriver que tu peux aller ici. Par exemple, je peux créer une route directement connectée avec le serveur. Alors, s'il ne retrouve pas une route directement, il va utiliser la route par défaut. C'est quoi la route par défaut? C'est cette interface à travers ces trois routeurs. Alors, default route, ça veut dire on peut avoir des routes alternatif, mais il va utiliser la route par défaut si vous n'avez pas spécifié la destination de notre tableau de routage. On va aller step by step. Tous les ordinateurs, pour se communiquer à l'Internet, lorsqu'ils ne sachent pas, par exemple Facebook ou bien Google, on va aller à des réseaux qu'on ne sache pas même l'adresse réseau, on va taper directement l'adresse de passerelle ou bien default route. Alors, on appelle l'opération de envoyer une information d'un ordinateur se trouve dans le réseau A à un ordinateur se trouve dans un réseau B. On appelle cette opération route packet processing. Alors, comment l'opération ça se passe? Le plus important, bien sûr, on a déjà vu que lorsqu'on ajoute les adresses IP à votre paquet, automatiquement, on fait ce qu'on appelle l'encapsulation. Et lorsqu'on enlève et on supprime les adresses IP du paquet, ça veut dire lorsqu'il se reçoit de la destination, on appelle cette opération d'encapsulation. Alors, chaque routeur, alors on va directement aller ici à routeur 2. Par défaut, le routeur 2, les interfaces des routeurs, par défaut chez Cisco, Cisco, les interfaces de routeur sont désactivées par défaut. Je répète. Les interfaces de routeur par défaut sont désactivées. Regarde ici, c'est en rouge, ça veut dire qu'elles sont désactivées. Alors, je dois activer les interfaces et donner les adresses IP. Attribuer l'adresse IP pour chaque interface. Pour faire cette opération, j'ai essayé d'utiliser routeur 1941. Voilà, c'est ça le routeur. Déjà, ce routeur intègre un port pour se communiquer avec le switch. Et j'ai essayé de, par exemple, je peux éteindre le routeur et ajouter d'autres cartes, si vous voulez, interconnecter le routeur avec un modem de Maroc Telecom. Ici, le routeur est connecté avec un modem de connexion avec câble serial.
Voilà, c'est ça ce qu'on appelle le céréal. Deux ports céréal sont déjà configurés ou bien déjà installés dans le routeur 1941. Alors, ce port qui est en jaune, déjà connecté avec le switch 1, et ce port connecté avec un autre routeur avec la méthode serial. Alors, je vais allumer le routeur. J'attends que le routeur démarre le système d'exploitation iOS. Alors, il me demande, est-ce que vous voulez faire une configuration par défaut? Je vais lui dire non. Voilà. Et ici, je vais essayer de configurer cette interface. D'abord, je dois l'allumer. Pour allumer, on va taper Enable, Configure. Quelle interface? C'est l'interface G00. Ça veut dire qu'elle travaille avec Giga Ethernet. Voilà, je réussis à accéder à l'interface G00 et je vais demander au routeur, s'il vous plaît, activer cette interface avec la commande No Shutdown. No Shutdown. Alors, la commande No Shutdown, il active cette interface. La commande Shutdown, il active cette interface. Et si j'aimerais aussi accéder à cette interface, c'est à 060, même opération, je vais taper interface, c'est à 0/0. Je vais allumer l'interface avec la commande no shutdown. Mais ça ne sera pas allumé, seulement si l'autre côté sera allumé. Ça veut dire que je dois mettre ici aussi même opération, no shutdown. Alors, même opération. No. Enable. Configure. L'interface G0/0. No shutdown. Et même opération. Interface serial 0/0/0. No shutdown. Alors, automatiquement, les interfaces sont allumées. Mais est-ce que ça suffit pour interconnecter les routeurs entre eux et le routeur avec le switch? Non, on doit configurer cette interface avec une adresse IP. Le routeur, c'est comme un ordinateur avec deux cartes réseau. Alors, je dois configurer cette adresse IP pour qu'elle sera au même dans ce réseau-là. Et je dois configurer les adresses IP ici. Alors d'abord, je veux configurer la connexion entre routeur 2 et routeur 3. Comme quoi, je vais aller ici et donner 5.0. Ici 5.1. Je vais donner 5.1. Et ici 5.2. Pour faire cette opération, je vais essayer de configurer l'interface, alors je vais aller à l'interface serial 0/0/0 et je vais taper la commande IP adresse, configure adresse IP 192.168.5.1 et je dois ajouter le masque sur réseau 255.255.255.0. Et je valide. Voilà, j'ai réussi de configurer 5.1 dans cette interface. L'autre côté, ici, une opération, je vais essayer de configurer 5.2 pour l'interface serial 0/0/0. Alors, pour faire cette opération, aller à l'interface serial 0/0/0 et de nouveau, même opération, 5.2, IP adresse, 192.168.5.2 avec le subnet mask. Alors, on peut tester la configuration et on peut tester est-ce que ça marche avec la commande ping. On va pinger
Je suis sur 5.2, je vais pinguer sur vers 5.1. 5.1. Félicitations, on a réussi d'accéder. Success 5 sur 5. Alors, la connexion, ça passe entre 5.1 et 5.2. Maintenant, je vais essayer d'interconnecter les PC entre eux. D'abord, on le met dans le réseau 10.0. Je vais essayer de configurer cet ordinateur avec 10.1 et PC 9 avec 10.2. Alors ici, c'est 10.1. Et ici, 10.2. Alors, je vais essayer de configurer tout de suite. L'adresse IP, c'est 122.12.10.1. Ce réseau par défaut, /24, mes opérations, 192.168.10.2. Et félicitations, j'ai réussi de faire ou bien de configurer les ordinateurs avec l'adresse IP. Je vais tester la configuration, soit avec le ping ici. Je peux même faire ping. 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 Je suis ici, dans 10.1, et je vais pinguer vers 10.2. 192.168.10.2. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Il y a une réponse. Il y a la réponse entre ces deux ordinateurs. Je peux faire le ping ici, successful. Voilà. Successful, le ping entre les deux. Alors maintenant, il ne reste que ce PC, ça veut dire le routeur toujours c'est un PC. Cette interface doit être au sein de même réseau. Il y a ici 10.1, 10.2, ici 10.3. 10. Le routeur, on va configurer l'interface qui se trouve dans le réseau 10 avec 10.3. 10.3. Très bien. Je vais y aller au routeur. Et je vais lui dire, s'il veut appeler mon routeur. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore configuré le routage. S'il vous plaît, mon routeur, allez à l'interface G0/0 et configurez l'adresse IP, soit 12.168.10.3 avec le masque sur réseau. Félicitations, j'ai réussi de configurer la machine. Avec, je peux faire le ping, deux ping. Alors, je vais pinguer vers 10.1 et 10.2. 10.1. Ça marche. Voilà, ça marche. Je répète. Ça marche. C'est bon. 10.2. Je vais faire l'opération pour 10.2. Aussi. Ça marche. Très bien, ça marche. Alors, le routeur, il peut pinguer sur 10.1 et 10.2. Et ce routeur, il peut se communiquer avec routeur 2. Et il peut se communiquer avec PC9. Est-ce que maintenant, PC9 peut se communiquer avec routeur 2? Oui ou non? La réponse? Est-ce que PC9 peut se communiquer avec routeur 2? Oui ou non? La réponse, c'est Abdallah dit non.
Anas, Ayoub. Alors normalement, c'est non. Parce que si vous pingez, si vous pingez d'ici vers ici, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que l'information n'est pas encore, le PC9, Mazal Ma'arch, le PC9, ne sache pas encore où se trouve ce réseau. Je dois lui dire avec Default Gateway, avec Default Gateway, c'est ici ce qu'on appelle Default Gateway. Alors, comment je peux configurer Default Gateway? Je vais aller ici et je dois lui dire Monsieur le routeur, voilà. Le default, votre Default Gateway, ça veut dire quoi Default Gateway? Si vous voulez, Monsieur le PC9, de sortir de ce réseau, de sortir de réseau 10.0 vers n'importe quel réseau, ailleurs réseau, utilisez l'adresse de ce routeur. C'est quoi l'adresse de ce routeur? C'est pas 5.2, la partie que ce PC est reconnaît. C'est le 10.0, c'est 10.3. 10.3. Alors, c'est quoi le default gateway ici? C'est l'adresse IP de routeur ou bien de l'interface de routeur qui est communiquée ou bien qu'il se communique avec le switch. Alors, et comme ça, j'ai réussi à configurer le routage dans PC9. Un routage par défaut. Un routage par défaut. Comment? Avec la commande. Alors, avec la configuration de default gateway. La passerelle par défaut. C'est bien. Alors, même opération, je dois faire ici. Je dois lui dire ici, s'il vous plaît, si PC8 veut se communiquer avec les autres réseaux, elles doivent se communiquer avec le routeur de leur côté, de l'interface qui est connectée avec 10.0. 10.3. Et voilà, c'est l'adresse IP de cette interface. J'ai bien réussi d'envoyer l'information et l'information sera envoyée à ici, vers ici, mais elle ne va pas retourner. Pourquoi? Je vais vous dire. Alors, regarde ici. Maintenant, PC9, il sache que s'il veut se communiquer avec les autres réseaux, il envoie l'information à ce routeur. On va voir. Voilà. Simulation. Simulation. Faites attention avec moi. Alors, de PC9 vers ici, l'information sera envoyée. Voilà. Bien. Alors, il sera envoyé vers le routeur. Et le routeur, il l'envoie vers 5.1. Mais le routeur 2, il ne peut pas envoyer l'information. Pourquoi? Parce que le routeur 2, c'est comme un ordinateur. Il n'est pas encore configuré avec la route par défaut pour faire retourner l'information vers PC9. Alors, je dois aller à routeur 2 et déclarer la route par défaut. Comme j'ai bien réussi de déclarer ici la route par défaut, je dois déclarer aussi ici la route par défaut. Pour faire cette opération, je dois taper, aller à la configuration et dire, s'il vous plaît, IP route, une route statique, vers n'importe quel réseau, avec n'importe quel masque sur réseau, à travers, voilà, ici, imaginez que routeur 2, c'est un ordinateur. Si il veut se communiquer avec les autres côtés, on doit déclarer 5.2 comme passerelle, à travers 192.168.5.2. Et félicitations, le routeur 2, il peut envoyer n'importe quel réseau vers cette interface. C'est la route par défaut, default gateway. Alors, on va refaire l'opération de nouveau. D'ici, avec la simulation, il va réussir maintenant de faire retourner l'opération.
Alors, le ping sera envoyé, voilà. C'est vers le routeur. Il va y arriver à routeur 2. Et le routeur 2, il va retourner. Voilà. Et se retourne à routeur 3. Et après, au PC 9. Félicitations, successful. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Anas. Très bien. Les autres, si vous retrouverez n'importe quel problème, vous pouvez me dire. Rasmiyat. On appelle ça gateway par défaut. La route par défaut. Alors, la route par défaut, c'est une opération pour envoyer l'information par défaut. Alors, je peux guider le routeur, mais avant, je vais vous dire quelque chose de très important. Le routeur 3, il est déjà connecté directement avec 10.3 ou bien 10.0 et 5.0. On va voir ça. Alors, je vais lui dire « del shell IP route ». Pour afficher le tableau de routage, tapez la commande « shell IP route ». « Shell IP route », il va nous afficher, ses opérations. Il nous dit, dans routeur 3, il nous dit qu'il est connecté avec 5.0/24 et il est connecté avec 10.0/24. Il n'a pas besoin de faire un routage pour se communiquer avec ce réseau. Alors, ça se le dit mubashara, mais il cherche un routage. Voilà qui routeur 2. Routeur 2, ça se le met à 5.0, ça se le met à 1.0. L'après, ça se le met à 10.0. Si il veut se communiquer, le routeur 2, si il veut se communiquer avec 10.0, il doit passer à travers 5.2. C'est pour cela, on va y aller del shell IP route. Vous retrouverez la config la d'abadena. Config. Sur les réseaux, on va aller à n'importe quel réseau à travers 5.2. Je viens d'écrire la route par défaut. Alors, elle est connectée avec 5.0 et n'est pas encore configurée avec giga 0. Alors, je vais aller configurer l'adresse IP pour cette giga 00. Interface giga 0/0. IP adresse 22.168.1.100. Giga 00 connecté avec le réseau 1.0. Je masque ce réseau. Félicitations, on a réussi à activer cette interface. Alors maintenant, je vais essayer de supprimer la route par défaut. Quand est-ce que je peux taper la route par défaut lorsque je ne sais pas le réseau de destination. Alors, je peux supprimer la route par défaut avec no IP route 0000 à travers 168.5.2. Supprimer la route par défaut et comme ça, si je mets shell IP route, je regarde, il y a une connexion directement avec 1.0 et une connexion directement avec 5.0. Le routeur 2 connecté avec 5.0 et 1.0, mais n'est pas connecté avec 10.0. Il y a un routage statique. C'est quoi un routage statique? Le fait que je peux taper IP route, mais je vais définir le réseau. Je vais aller à 192.168.10.0. Ce n'est pas un routage par défaut. Maintenant, c'est un routage statique. Je vais y aller à 10.0 avec le subnet mask à travers 5.2. Même résultat. 5.2. Un mask mal écrit. Non. Félicitations. Je réussis de configurer un routage statique qui envoie l'information de routeur 2 à 5.2 s'il veut envoyer les informations vers 10.0.
Alors maintenant, maintenant, 10.2, retour 2 peut se communiquer avec 10.2, successful. Pourquoi? Parce qu'il y a un retard statique. Mais est-ce que PC8, il peut envoyer l'information à 5.2 ou bien au retour 2? Oui, parce que déjà configuré avec le masque sur réseau. Je répète. Sur routeur 2, voilà, c'est successful. Alors, on appelle ça le routage. Le routage IP. Il y a un connected router. Connected router, ça veut dire les réseaux connectés. Il y a ce qu'on appelle le routage statique. Doit être manuellement configuré avec la commande IP route, comme déjà expliqué. Alors, je répète. Le routage statique, c'est le fait que vous envoyez, je vais taper la commande ici, dans routeur 2, c'est IP route, c'est peut aller à 10.0, avec le subnet mask 255, 255, 255, 0, à travers 5.2. Où je dois taper cette commande dans le routeur 2. Alors, je dois taper la commande dans routeur 2 dans le tableau de routage. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a une question jusqu'à maintenant? You have any questions about this? Alors, je répète. Je répète. Le routeur 2 déjà connecté directement avec deux réseaux, 5.0 et 1.0. Comment je peux savoir ces opérations? Je peux taper afficher le tableau de routage avec Dell Share IP Route. Alors, si vous affichez les informations au tableau de routage, il vous dit que. Il vous dit que je suis connecté avec 1.0 et je suis connecté avec 5.0. Voilà, je suis connecté avec 1.0. Voilà. Et je suis connecté avec 5.0 avec directement. Ça veut dire quoi c'est? C'est, ça veut dire quoi c'est? C'est indique qu'il est connecté directement. Mais est-ce qu'il est connecté avec 10.0? Non. Pour connecter ou bien interconnecter le routeur avec 10.0, je dois ajouter la commande IP route aller à 10.0 à travers l'interface de routeur 3 5.2. Dès que vous ajoutez cette ligne de commande, il dit que je suis en train d'utiliser un routage statique. S. Statique route. Se trouve S. Voilà, statique. Alors, S indique statique route. Voilà, via 5.2. Pourquoi il y a ou bien cette ligne dans le tableau de routage? Parce que j'ai déjà tapé la commande IP route. Et bien sûr, l'information pourquoi est retour? Parce que déjà les ordinateurs configurent avec le routage IP avec default gateway. Maintenant, le défi, c'est de connecter ces ordinateurs qui se trouvent dans VLAN 10 avec ces ordinateurs. Est-ce que c'est possible? On va voir. Si l'information s'envoie ici, est-ce qu'elle va faire passer vers ici? On va voir. D'abord, on va faire le test. On voit tout le monde et on va voir où se trouve le problème. Simulation. De ce PC se trouve son VLAN 10 vers le PC 8. Alors, first, l'information sera envoyée vers le switch.
Le protocole STP. Donc, je répète, est-ce que l'information sera envoyée de ce PC vers ce PC? Non, parce que je dois d'abord configurer les ordinateurs avec l'adresse IP. Alors, allez à PC6, dites que vous êtes connecté dans 1.0, 112, 168, 1.200. Le subnet masque par défaut, 255.0. Félicitations, j'ai réussi à configurer l'adresse IP. Est-ce que je peux se communiquer? Jusqu'à maintenant. Alors, je répète l'opération de PC6 vers PC8. Est-ce que l'information est envoyée? Alors, l'information ne sera pas envoyée parce que ici, il n'y a plus les messages STP. Alors, toutes les informations qui sont en train d'être envoyées, il n'y a pas le message de SMP. Voilà, le message SMP. Mabchèche. حيت le PC6 نقول له الجيتوي ديالك هو جيجا 00. Alors je vais de nouveau aller à l'adresse IP et taper 192.168. C'est quoi le gateway? C'est l'adresse IP de cette interface. C'est quoi l'adresse IP de cette interface? C'est à travers la commande show IP interface. Show IP interface brief. Je répète. Voilà, l'adresse IP G00, c'est 100. Alors, le gateway de l'ordinateur PC6, il sera 100. Et comme ça, l'information ça peut être envoyé maintenant je vais retourner aux simulations, ça peut être envoyé de PC6 vers PC8. Alors on va voir. Voilà, c'est envoyé au switch, après au routeur, parce que j'ai défini le gateway, mais malheureusement, on va voir pourquoi elle était envoyée, parce que pour routeur 2, il sache déjà où se trouve 10.0, mais PC8, elle va retourner l'information vers routeur 3, parce que le gateway c'est routeur 3, voilà, elle va retourner l'information vers routeur 3. Et stop ici. Pourquoi l'information n'a pas encore allé? Alors, elle stoppe l'information et elle informe qu'il existe un problème. Voilà, il y a un problème. Alors, pour résoudre ce problème, routeur 2, il sache où se trouve 10.0. Mais routeur 3, il ne sache pas où se trouve le 1.0. Je dois taper la même commande dans routeur 3. Tu peux aller à 1.0 à travers 5.1. Routeur, rappelez-moi avec moi, ça c'est ce qu'on appelle le routage IP. Statique. Alors, regarde tout le monde. Routeur 3, je vais taper la commande IP route. Tu peux aller à 1.0. Tu peux y aller routeur 3 vers 1.0 à travers votre gateway 5.1. Alors, je tape l'opération IP route
tu peux aller à 128.168.1.0 avec le master réseau à travers 5.1. Félicitations, on a réussi d'activer. Si vous tapez maintenant show IP route, vous trouverez que il y a une route statique. Voilà, route statique. Si vous voulez aller à 1.0, allez à travers 5.1. Alors maintenant, on va voir le résultat. Je vais de nouveau taper l'information de PC6 vers PC8. Et on va voir le résultat. L'information sera envoyée parce qu'il y a un gateway dans PC6. C'est 1.100. L'information de routeur 2 va aller à 10.0 parce qu'il y a la route par défaut. Le routeur 3 SH, déjà qu'il est connecté directement avec 10.0. Et là, on voit l'information à 10.1. Voilà. Alors, 10.1, déjà configuré avec le gateway. Il renvoie l'information du gateway vers 10.3. Et le routeur 3, il va recevoir l'information et sache déjà que le 1.0 se trouve à travers 5.1. Il envoie à 5.1. Et le routeur 2 directement connecté avec PC6. Et l'information, ça sera successful. Félicitations, c'est successful. C'est ce qu'on appelle le routage statique. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est ce qu'on appelle le routage statique via l'IPv4. Alors, pour ne pas perdre toutes ces informations, je dois sauvegarder la configuration du routage statique. Taper la configuration to start. Une opération ici. Sauvegarder la configuration pour ne pas perdre la configuration que je viens de saisir. Alors, PC6 est capable de se communiquer avec 8.0 automatiquement. Alors, est-ce que PC6, l'interface, quelle interface? C'est l'interface phase 05. Est-ce que phase 05, dont on vient en disque d'abord? Alors, opération, c'est PC5. Est-ce qu'il est déjà configuré avec l'adresse IP? Pas encore. PC4, est-ce qu'il est déjà configuré avec l'adresse IP? Oui, c'est 1.99. Mais maintenant, est-ce que PC4, est-ce qu'il est capable de se communiquer avec PC8, sachant que le routeur 3 et le routeur 2 bien configurés statiquement? Est-ce que PC4, avec cette configuration, il peut aller à PC8, oui ou non? Oui ou non? Pourquoi on doit ajouter la passerelle par défaut? Très bien. Alors, je dois dire ici que votre routeur, c'est quoi l'adresse IP de votre routeur? C'est 1.100. Je dois saisir cette opération ici. L'adresse IP doit être configurée ici. Et comme ça, l'information peut être envoyée d'ici vers ici. Je répète. Alors, pourquoi l'information n'est pas envoyée vers PC8, sachant qu'au PC4, est bien configuré. Alors, 1.99 ما قدش يتكومونيكا مع 10 واحد
علما ان الروتور 2 والروتور 3 مكونيكتين. لاحظوا معايا راه حتى من بي سي 6 بي سي 8 سا مارش مي بي سي 4 سا مارش با. علاش؟ صابنات مزيان كلشي مزيان لسبب بسيط. اون فا فوار سيمولاسيون اون فا فوار او سو تروف لو بلوكاج. On va voir où se trouve le blocage. Le blocage d'ici vers ici. Alors, regarde automatiquement l'information envoyée. C'est pas l'information, c'est un message de ARP. Regarde, l'information n'est pas envoyée vers le routeur. Ça veut dire que l'interface connectée avec le routeur n'est pas encore dans VLAN 10. L'interface phase 3. Alors je dois inclure le switch dans le switch enable configuré. S'il vous plaît, l'interface de 0.3. Switch pour access ce VLAN, quel VLAN 10, parce que les autres sont VLAN 10. Et on va vous remarquer qu'après 50 secondes, l'information sera, alors, l'interface phase 03. L'interface phase 03. Ça, c'est 03. Non, évidemment. Alors, c'est 06, c'est pas 03. C'est 06. L'interface 06. Doit être en VLAN 10. On doit attendre 50 secondes pour qu'elle soit active. Voilà. Alors maintenant, voilà. 50 secondes pour qu'elle soit active. Alors, tu vas me dire, monsieur, et pourquoi vous avez réussi à faire cette opération sans mettre. Parce que avant, ce PC n'est pas encore, phase 05 n'est pas encore dans VLAN 10. Et je vais aller aussi ajouter le 5 dans VLAN 10 pour corriger le problème définitivement. Alors maintenant, phase PC 6 devient dans VLAN 10. Alors, est-ce que l'information ça passe? Je vais vous démontrer une opération. Est-ce que l'information ça passe entre ici et ici? Successful. Pourquoi successful? Parce que cette interface devient dans même VLAN. Ça veut dire de 1.0. Même opération. Maintenant, PC6. Et là, on voit l'information. Successful. On peut voir la simulation. Voilà, PC6 vers PC8. L'information passe. Et là, on voit l'information vers le gateway. 1.100. Le routeur contient déjà le routeur statique. Et là, on voit l'information vers routeur 3. Routeur 3, il sache déjà où se trouve le 10.1 à travers le routage directement. 10.1, elle va retourner l'information vers. Alors, 10.1 maintenant, il va envoyer l'information de nouveau à routeur 3 parce qu'il intègre déjà le gateway 10.3. Et le gateway 10.3, elle envoie l'information basée sur le tableau de routage vers 1.0 à travers 5.1. Et le routeur 2 recevoir, elle envoie l'information vers le PC qui a demandé le ping et il va nous écrire. Successful. Est-ce que vous avez saisi ces informations? Très bien. Alors, Rasmiyet,
Il existe un autre type de rotage, à l'emplacement de faire le rotage statique, un autre type de rotage, nommé le rotage dynamique. Rotage rotors, dynamically shear rotors. Rotage dynamique. Ça veut dire quoi, rotage dynamique? C'est à travers d'autres types de protocoles. Ce sont des logiciels qui font l'opération de rotage. Ce sont des logiciels. Parmi ces logiciels, il y a ce qu'on appelle l'OSPF. On va le voir la séance prochaine. Alors, il y a Connected Interface, ce sont les réseaux connectés. On n'aura pas besoin de routage avec les réseaux connectés. Le routeur peut interconnecter 5.1 et PC8, parce que routeur 3, il sache déjà qu'il est connecté directement avec 5.0 et 10.0. On n'aura pas besoin de routage. Mais le static route, on aura besoin de faire manuellement. Il y a ce qu'on appelle administrative distance. C'est quoi administrative distance? Administrative distance, c'est un numéro donné pour ces protocoles et même pour le routage statique et connecté à l'autre. Alors, pourquoi? Supposons que j'ai déjà lancé un protocole de routage OSPF. Voilà l'OSPF. OSPF, il a 110. J'ai déjà exécuté ici le logiciel OSPF. Et déjà, j'ai le routage statique. Vous avez configuré le protocole, le routage dynamique et le routage statique. Le routeur 3, elle va choisir quel type de routage. Est-ce que le routage statique ou bien le routage dynamique? Elle va choisir le routage statique. Pourquoi? Parce que la valeur d'administrative distance de routage statique est plus faible que la valeur de l'OSPF. Alors, quand un routeur retrouve plusieurs routes, avec quelle méthode, ou bien avec quelle politique, ou bien avec quelle stratégie, ou bien avec quel logiciel va router l'information, ça dépend de la valeur d'administrative distance. Puisque la valeur est moins faible, puisque le routeur il va choisir la valeur toujours la plus faible. Est-ce que vous avez compris, ça veut dire quoi administrative distance? Understand, ça veut dire quoi administrative distance? Alors, Ayo, l'administrative distance, supposons le routeur 2. Déjà configuré avec le routage statique. Et j'ai installé l'OSPF aussi pour aller à 10.0. Le routeur 2, il peut aller maintenant avec routage statique, déjà tapé, et avec un autre logiciel de routage nommé OSPF. Alors, lorsque l'information arrive à routeur 2 pour aller à 10.0, il va choisir le routage statique ou le logiciel. Pour prendre la décision, il va revenir au tableau d'administration distance. La valeur static route moins faible que OSPF, alors le routeur 2, il va choisir le routage statique à l'emplacement du logiciel. Est-ce que vous avez compris? Yo. Très bien. Alors, on passe. Ceci, c'est le routage statique. Le routage statique, je répète, c'est le routage statique de quoi? Le routage statique IPv4. Alors, la séance prochaine, on va voir le routage dynamique. Alors, regarde tout le monde avec moi ici quelque chose de très important. Alors, Routing Protocol Code, Prefix, Network Mask, Next Hop. Alors, Routing Protocol Code, ou lorsque je parle de 80, l'administrative distance. Alors, regarde tout le monde. Routing Protocol Code, où est-ce? لاحظوا معي لوست بو تابي شاو اي بي روت تلقى واحد لي كود هنايا هما لي كود لا كانت ستاتيك تعطيك اس كان لو اس بي تعطيك او هما دو لي كود
Le préfixe. C'est quoi le préfixe? Word slash 24. Alors, mais c'est un endroit là, network mask. Le masque sur réseau. Word slash 24, nous tapons. 255. Word network mask. Next hop. C'est quoi next hop? Next hop. Alors, le routeur 2, le next hop, c'est l'interface 5.2. Next hop. Next hop de routeur 2, c'est 5.2. Next hop de routeur 3, c'est 5.1. Next hop de PC 8, c'est 10.3. Next hop de PC 6, c'est 1.100. Comme ça, vous allez saisir cette information. Next hop, هي القفزة الموالية. هو الجيتوي. هو الباسخيل. Alors, administrative distance, on vient d'expliquer. Ce sont des valeurs pour donner le pouvoir à un routeur de prendre la décision et la, quelle route il va choisir. Alors, métrique, on va voir après dans l'OSPF, ça veut dire quoi métrique? Métrique, ça veut dire quoi? On va voir la séance prochaine. Gateway, roi, route par défaut. Alors, normalement, l'administrative distance nous aide pour définir quel protocole de routage on va utiliser. Alors, la séance prochaine, on va continuer le routage statique et mieux expliquer le routage statique. Et aussi, on va continuer avec le routeur statique IPv6 et on va terminer avec la configuration de l'OSPF. Et comme ça, on va terminer la partie routing. Do you have any questions about this lesson? Alors, je vais essayer de nouveau de sauvegarder la configuration. Je suis riche. J'ai un petit Alors, je vais attendre que Translate, parce que la commande n'est pas bien tapée. Alors, automatiquement, il va essayer de retrouver un serveur de translation de cette commande. Et après qu'il ne va pas retrouver le serveur, elle va me permettre d'écrire de nouveau la commande de sauvegarder la configuration. Et je vais sauvegarder la configuration. Le TP sera envoyé par WhatsApp dans quelques instants pour refaire la configuration et mieux gérer la configuration. Essayez de suivre toutes ces instructions de cette séance pour mieux comprendre le routage IP statique. Et voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.